Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. En 1991, le groupe nantais Elmer Footbeat faisait un tabac avec son titre « Le plastique, c'est fantastique » pour parler du préservatif, qui encore aujourd'hui est essentiel à tout rapport. Cependant, 27 ans plus tard et au-delà du préservatif, le constat est plutôt que le plastique, c'est catastrophique. Revenons brièvement à la création de ce matériau qui envahit nos espaces de vie et aujourd'hui également la nature. En 1870, l'ancêtre du plastique, le celluloïde, est mis au point par des Américains, les frères Hyatt, lors d'un concours demandant de trouver une matière permettant de remplacer l'ivoire dans la fabrication des boules de billard. Et oui, tout part de là. À partir de cette date, la technique va permettre de faire évoluer cette matière. En 1890, la découverte de la viscose va servir quelques années plus tard à fabriquer des pellicules photographiques. En 1907, Leo Hendrik Baekeland, fils de cordonnier belge, très doué en mathématiques et chimie, découvrira par erreur une nouvelle matière qu'il nommera la bakélite, issue de la chimie sur le benzène, ses composants et solvants. Ce produit breveté, qui lui vaudra la médaille Franklin en 1940, nous fera entrer dans l'ère moderne des matières plastiques. Suite à ces découvertes, en 1933, la recherche va permettre la création d'un nouveau matériau appelé polystyrène, qui sera beaucoup utilisé militairement pour les bombes, masques à gaz, mais également pour les stylos, et qui va progressivement envahir notre quotidien. Pour terminer en 1935 avec un grand développement industriel du PVC ou polychlorure de vinyle. Ces découvertes successives ont permis la création de multiples objets à multiples usages, facilitant la vie des humains et aujourd'hui ils agrémentent superficiellement nos désirs les plus fous. Le plastique désigne une famille importante de plus de 700 types de matières fabriquées à partir du pétrole. Le pétrole est raffiné, distillé, ce qui permet d'obtenir des chaînes de molécules qu'on appelle les polymères. Pour leur donner les caractéristiques qui répondent à nos besoins, on y ajoute des éléments comme le chlore ou l'azote, sous forme d'additifs ou d'adjuvants. Le plastique est donc un matériau simple à fabriquer, stable, économique, solide, léger et résistant, facilement transformable et qui peut prendre toutes les formes voulues. D'ailleurs, le mot plastique vient en effet du grec plastikos, qui signifie malléable, qui peut être modelé. On en fait principalement des emballages, des matériaux de construction et des éléments de voiture, mais depuis les années 1950, les plastiques sont partout. On les trouve dans les tuyaux, les sacs, les flacons, les bouteilles, les habits, l'électronique, les jouets, les adhésifs, les prothèses dentaires et bien plus. On distingue deux catégories de plastique, ceux faits pour durer, ou dits à durée de vie longue, qui représentent 60% des plastiques, et ceux à durée de vie courte, qui représentent quant à eux 40%. En France, on consomme par exemple 7 milliards de bouteilles plastiques par an. Mais que fait-on des plastiques usagés? Eh bien, on en fait de la valorisation énergétique par la combustion, on les transforme en énergie thermique. Un sac plastique équivaut à alimenter une ampoule de 60 watts pendant 10 minutes. Il y a aussi le recyclage. Une tonne de plastique recyclé équivaut à 1,2 tonnes de pétrole économisé. Le problème est que l'incinération dégage des dioxines nocives pour l'homme et l'environnement. La capacité de recyclage des plastiques est insuffisante par rapport à la production toujours plus importante au niveau mondial. Tout d'abord, le plastique est issu de ressources naturelles non renouvelables. Ensuite, sur les 7 familles de plastique fabriquées, seulement 2 ont la possibilité de se voir recycler. Le recyclage, en soi, est un processus long, coûteux et très énergivore. C'est pour cela, par exemple, que les sacs plastiques ne sont pas recyclés et aujourd'hui interdits dans de nombreux pays. En Europe, seulement 25% des plastiques sont recyclés. Un autre problème important est la décomposition des plastiques qui peut aller jusqu'à des centaines d'années, tout en continuant de polluer l'environnement par des molécules non biodégradables, nocives,
aux organismes vivants, comme le bisphénol A par exemple. En France, chaque habitant produit entre 450 et 550 kg de déchets plastiques par an. Il représente 11% de nos déchets. Un exemple très parlant est le film Plastique, qui représente 1 million de tonnes par an en France, dont 90% sont enfouis et non recyclés. Le plastique est un réel danger pour notre environnement. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. D'ici à 2050, il y aura plus de plastique dans nos océans que de poissons. La plus grande décharge océanique naturelle se trouve au large de l'archipel d'Hawaï, vaste comme 6 fois la France. C'est 3,4 millions de carrés de superficie pour 22 200 km de circonférence. Vu sa taille gigantesque, cette décharge est également appelée le 7e continent. Il s'agit en réalité d'une énorme soupe où se mêlent des débris épars de plus d'un demi-centimètre et une myriade de micro-fragments en suspension. D'où viennent ces détritus ? De la terre ferme à 80%. Car sur les quelques 300 millions de tonnes de plastique produites chaque année dans le monde, 8 millions en moyenne finissent en haute mer. Soit 206 kg de ce matériau synthétique se déverse ainsi chaque seconde dans les océans. Des études ont été menées pour déterminer l'impact sur l'environnement. Et c'est bel et bien une catastrophe. En 2011, l'organisation écologiste Greenpeace a estimé qu'environ 1 million d'oiseaux et 100 000 tortues et mammifères marins, phoques, dauphins, baleines, meurent chaque année de l'ingestion de bouts de plastique de plus de 5 mm, les macrofragments. Soit par étouffement, soit de faim, car leur estomac bourré de ce matériau n'offre plus de place pour la nourriture. De plus, on sait que les plastiques contiennent des dérivés de mercure qui s'accumulent dans le corps humain et perturbent la fonction des organes vitaux, comme le cœur, le cerveau, les reins, le foie, mais également des additifs stabilisants comme les phtalates ou les bisphénols, suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. À la clé, des risques de baisse de fertilité masculine, de puberté précoce, de malformations congénitales et de cancer. Nous pouvons désormais affirmer que le plastique est dangereux et doit être au maximum banni de notre consommation. Alors qu'au deuxième jour d'examen de la loi Pacte, les sénateurs ont adopté l'amendement d'un élu de la majorité LREM qui retarde à 2021 l'interdiction de certains ustensiles en plastique avec la bénédiction du gouvernement, il n'est donc plus le moment d'attendre une véritable politique de transition écologique, mais d'agir individuellement en tant que citoyen au boycott de tous ces produits plastiques polluants, dangereux pour la planète et notre santé. La France continue d'être un très mauvais élève en matière d'environnement et de santé publique. Des pétitions en ligne existent pour agir. Pour conclure, cessons de croire que la science sera capable de tout régler. Nous sommes chacun responsables de notre consommation et devons réduire nos achats plastiques. Et surtout, n'oubliez pas les futures questions de vos enfants dans 30 ans qui vous demanderont ce que vous avez fait pour leur laisser un monde vivable et soutenable. Bonne semaine à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green, oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Green aussi, Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois ? Mais alors, tu vois, le Green, absolument. Green, plus Green.